Bonjour à tous et à toutes, c'est Chuckitam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo tuto comment télécharger YouTuber Live. Donc c'est tout simplement un jeu où on incarne la vie d'un YouTuber. Pour commencer, vous allez vous rendre sur le lien dans la description pour aller sur WinRAR. Pour télécharger WinRAR, donc si vous ne l'avez pas, voilà, donc vous allez faire télécharger WinRAR. Hop. Et là, télécharger. Voilà. Donc là, vous faites. Il faut ouvrir ce fichier. En fait, je me suis trompée pendant le montage. Il faut l'ouvrir. Donc ouvrez-le et vous verrez la suite de la vidéo. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est plutôt rapide. Après, il va falloir l'exécuter. Donc exécuter, voilà, ça va vous ouvrir ça. Donc vous faites oui, WinRAR installé. Donc vous l'installez, c'est plutôt rapide. Ok, terminé. Voilà, donc WinRAR est installé. Donc ça va vous ouvrir ça, mais vous vous en foutez. Je vous laissez juste la page ouverte, mais pour l'instant, on s'en fout. Hop, donc ça, c'est bon. Et là, vous allez faire télécharger avec votre navigateur. Donc là, ça va prendre un certain temps. Donc on se retrouve quand c'est téléchargé. Donc, les gens. Donc... ça va vous afficher ça. Vous mettez. Hop. Et là. Téléchargement. Ouais, c'est bon. Voilà. Et là, ouvrir. Ah, attendez. On va aller dans document. Alors. Voilà. Attendez. Archive WinRAR. Attendez, deux secondes. Je vais trouver. Donc, les gens. En fait, il va tout simplement falloir l'ouvrir. Donc vous faites ouvrir avec avec n'importe quoi en fait. Et là vous allez faire extraire. Vous allez l'envoyer vers où vous voulez. Ça va charger et ça va arriver. Donc moi je l'ai mis sur mon bureau. Et ça arrive ici. Donc, voilà. Hop. IGG. Et là, vous avez tous les programmes, on s'en fout. Et là, application, vous lancez. Donc ça prend un peu de temps parce que c'est la première fois qu'il se lance, mais après ce sera plus rapide s'il veut bien se lancer. Voilà. Donc pour vous montrer que ça marche, on va attendre un peu qu'il charge. Voilà. Bon, comme c'est la première fois, il prend un peu de temps à charger. Il faut savoir que je l'avais déjà téléchargé et j'ai bien cramé le jeu. J'étais déjà au troisième appart. Donc, je l'ai bien séché le jeu. Alors, je sais pas si ma sauvegarde va y être. Et continuer, apparemment elle y est. On va voir, ça m'a tout l'air d'y être. Donc faut savoir que vous pourrez pas faire les mises à jour comme il est craqué. Donc
ce sera toujours la même version. Hein. S'il y a des patchs, des mises à jour ou quoi, vous les aurez pas. Il faudra le re-télécharger, essayer de trouver un autre site où il y a les mises à jour tout en pouvant le craquer. Donc voilà, vous pouvez voir mon appart. Donc merci d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine.